Donc là je vais prendre le volant, donc je vais pas vous filmer. Puis je vous retrouverai quand je serai dans mon appartement, je pense probablement. Voilà, donc là on a mon entrée, vous voyez c'est le bordel, hein. Il y a des cartons partout et tout. Ça fait une lumière là les gars, waouh. Fin de la session appartement, aménagement, tout ça, tout ça. Le fait que ce soit ma première nuit dans mon appartement et que voilà. Bon les amis, l'heure est grave. On est le mercredi 3 février. Je suis dans les derniers moments dans mon appartement. Je prends ça au sens large puisqu'il me reste quand même un bon mois avant de quitter cet appartement. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je suis en deuxième année de BTS communication. Je finis les cours le 11 mars pour entamer 6 semaines de stage par la suite. Sachant que je ne fais pas mon stage ici, ça ne sert pas à grand chose que je garde mon appartement. Donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous puisque je vous ai quand même filmé tout mon aménagement et l'appartement tour, etc. Là, demain, il y a ma main qui vient. Et du coup, elle va me ramener cette étagère. Puisque moi, dans ma voiture, elle rentre pas, donc je peux pas la ramener. Donc j'enlève tout ce qu'il y a dessus. Enfin, il n'y avait pas grand chose, j'avais déjà enlevé des trucs. Là, j'ai mon beau grille-pain que j'aime trop. Objectif, emballer mes assiettes, je dois ramener ces assiettes là. On est jeudi 4 février. Regardez-moi ça. Avant j'avais des trucs, et ben il n'y a plus rien. Ça se vide de petit à petit, écoutez. Bon, on est vendredi 19 février. Aujourd'hui j'étais me faire tester. J'étais faire un test PCR parce qu'on a eu plusieurs cas de Covid dans notre classe. Bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais il fallait que je l'inclue dedans. Dans deux jours, donc dimanche, mes parents ainsi que mon oncle viennent pour déménager une très grande partie de mon appartement. Là il est 11h30, on est samedi 20 février, vous avez peut-être vu dans les rushs d'avant. Là ce soir j'ai essayé de, voilà, de regrouper encore un maximum de choses. J'ai fait ma valise aussi prioritairement. Toutes les choses que je vais enlever, faut que je sache où elles sont en fait. Donc ça c'est ce qui va me perturber le plus, je sens qu'il y a des choses que je vais jamais retrouver. Franchement, tous ceux qui emménagent, qui déménagent plusieurs fois dans l'année et tout, je sais pas comment vous faites, franchement c'est un truc qui me stresse. Donc voilà, donc je vous retrouve demain pour quand même une grosse journée je pense. Mais ça passe super vite. Ouais. Bon là on est le lendemain matin, il est 9h50. Du coup mon objectif là tout de suite maintenant c'est de sortir mes poubelles. Que je boucle ma valise et que j'aille la mettre dans ma voiture. Maintenant, c'est parti. Ouais, c'est qui klaxonne là? Ouais, ça marche. Aspirateur, c'est bon. Voilà, c'est tout vide. La prochaine fois, ça sera encore plus vide. Dernière soirée dans cet appart. Je peux vous dire, des fois, ils étaient tout en rempli. Hein. Ça, je vais mettre dans le carton parce que de toute façon, il y en a que je vais garder. Mais en vrai, ceux-là, ils sont vachement bien. Ils viennent de chez Ikea. Et vous en avez, je sais plus, il y en a 10, je crois, pour vraiment genre 1€, je crois même pas. Peut-être que je vous dis des conneries, mais ils sont vraiment pas chers et ils tiennent super bien. Je vous jure, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai besoin de rangement, de trier, de vendre, de jeter, de donner. Ah, je suis dans cette optique-là, c'est incroyable. On est le lendemain, c'est le jour J, on est vendredi 12 mars. Il est 9h01.
Je disais donc, avant qu'on m'interrompe, là dans la chambre, bah il reste en gros le lit. Voilà, là, bah c'est tout vide, il n'y a plus rien. Ensuite ici, bah il n'y a plus rien non plus. Ici, bah là il y a les trucs de ménage. Là il reste que ma table. Et puis après, bah tout ce qu'il y a dans la salle, dans la cuisine quoi. Là en gros il reste bah, mon truc de linge sale. Et après c'est tout. Toi, tu vas être en dessous, je vais te donner des gants. Je vais finir comme ça. Ça va se scratcher là. En dessous, je vais finir par en dessous. Je prends comme ça, t'es sûr, hein? Oui. Tu peux lever ou pas là? Oui, j'ai les gants, ça va. Tu peux lever ou pas là? Oui, j'ai les gants, ça va. Donc là je vais prendre le volant, donc je vais pas vous filmer. Puis je vous retrouverai quand je serai dans mon appartement, je pense probablement. Voilà, donc là on a mon entrée. Vous voyez c'est le bordel, hein. Il y a des cartons de partout et tout. Ça fait une lumière là les gars. Waouh. Fin de la session appartement, ménagement, tout ça, tout ça. Le fait que ce soit ma première nuit dans mon appartement et que voilà. En plein montage de la vidéo, je me rends compte que j'ai fait aucune fin. J'étais tellement dans l'engouement de ce déménagement que j'ai complètement oublié. Vous avez toutes les parties et toutes les étapes de ce déménagement, mais je n'ai pas conclu. Donc, bah écoutez, à ce jour, j'ai rendu mon appartement. Vous avez un peu vécu ces 2 ans d'indépendance après le bac avec moi. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.